Les facteurs qui favorisent la survenue du cancer du sein, le premier des facteurs, c'est le tabac. Le tabac, la cigarette et le tabac. La cigarette et le tabac interviennent dans la plupart des cancers chez l'homme. C'est un facteur favorisant. Et on a vu que chez les femmes qui consomment le tabac, la cigarette, ils font plus de cancer. Le cancer est plus développé chez elles que ceux qui ne consomment pas le tabac. Le deuxième facteur favorisant, il y a l'utilisation de certaines hormones chez des femmes. Certaines hormones, parce que dans la classification de ces cancers-là, il y a des cancers qui sont hormonodépendants. L'utilisation de certaines hormones chez les femmes entraîne favorise la survenue de ces cancers chez elles. Bon, il y a des facteurs indirects tels que la sédentarité, c'est-à-dire que on est assis, on ne fait rien, on ne bouge pas, on ne fait pas de sport. Ça peut entraîner également des cancers du sein. Il y a les facteurs familiaux aussi. Voilà. Ici, dans la famille, il y a une survenue du cancer du sein. C'est fort probable que les jeunes filles qui naissent de cette famille-là peuvent avoir des cancers du sein.